Salut à tous! Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit bookshelf tour, vu que j'ai installé mes deux bibliothèques avec mes livres dedans. Mais tous mes livres ne sont pas dans les bibliothèques, malheureusement. On ne peut pas tout avoir, hein, vu que j'ai mis des livres de mes colocatrices dedans. Voilà. Bon, on va commencer. Ici ma bibliothèque. Waouh! Donc celle qui est dans ma chambre. J'ai tous mes Switch Girls, série complète. Donc nous avons 25 tomes. C'est un manga très sympa que je vais sûrement vous en parler maintenant qu'elle est finie. Et voilà. Ensuite ici nous avons Le Feu de la Sorcière 1 et 2. Très bonne série aussi, je crois que je vous en ai parlé. Je ne sais plus. Minuit, les trois premiers tomes. Ici, Les Loups Cachés de Céline Kiernan. Au deuxième étage, nous avons le Time Machine, Endymion 1, Hyperion 1 de Dan Simmons, Frankenstein de Mark Shelley, Les Scarifiés de Sina Méville, le livre que je ne finirai jamais, Mes Succubus jusqu'au cinquième, il me manque juste le dernier. Ensuite, on a Terre Natale de Hera Salvador, donc c'est le premier tome de la Légende de Drizzt, très bonne série aussi. J'ai la BD, je vous la montrerai aussi également, un de ces quatre. Ensuite j'ai mes Christine Catherine Rush, donc c'est la série des fées, F.E.Y., Le Sacrifice, Le Changelin, Les Fées, numéro 4, donc le 1 est en sale état, du coup il est rangé ailleurs. Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley, L'Avenir Commence Demain d'Isaac Asimov, Prélude à Fondation d'Isaac Asimov également. Ensuite nous avons mes deux Musso, Central Park et Demain. Mais de Charlie Davidson, le 2 et le 3. Le 1, je l'ai prêté à une collègue. Je ne suis pas sûre de le revoir un jour. J'ai mes 3 Autres Mondes de Maxime Chatham. Et j'ai mes 4 tomes du cycle d'Elric. Ensuite, nous avons L'Exil des gens de Gilles Le Gardinier. Mes 8 tomes des Femmes de l'Autre Monde de Kelly Armstrong. Que je vais vous parler prochainement, j'ai hâte d'avoir le 9e. Ensuite, on m'a Anne McCaffrey, donc sur Perne. C'est 6 livres sur le Perne, donc j'ai La Balade de Perne et Le Cycle de la Grande Guerre des Fils. Donc il y a plusieurs cycles dans tous ces livres. J'ai The Lives of Locke Lamora de Scott Lynch. Ensuite, j'ai tous mes David Eddings, David et les Eddings, donc Les Gardiens du Paulement. J'ai mon cycle de la Malorée, le 2 est manquant parce qu'il est tombé dans mon bain et que j'ai dû le jeter la moisie. Et mon cycle des rêveurs, donc c'est des cycles en 4 tomes, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, on a Mes Policiers, Patricia Cornwell, 2 livres, The Bonne Bête et The Book of the Dead. Tous mes Linwood Barclay, il me manque Mauvais Garçon et le dernier, je sais plus, vite que je les achète. Stephen Zweig, Un soupçon légitime. Agatha Christie, Des petits nègres, Crime d'Halloween, 1, 2, 3. Un livre de Maigret Voyage, deux livres sans nom, très bon livre si vous vous souvenez. Frank Tillies Atomica, Preston Chat Cauchemar Génétique. Ensuite j'ai mes Robin Hobb, Les Aventuriers de la Mer, le 5e tome, Le Soldat Chaman 1 et 2, La Cité des Anciens 1, L'Apprenti Assassin 1, Le Poison de la Vengeance, c'est le 4e de l'Assassin. Ensuite j'ai mes 3 petits Terry Pratchett, La 8e couleur, Le 8e sortilège et Les Petits Dieux. Et enfin, nous avons Becca Fitzpatrick, Hush Hush, Comment se débarrasser d'un vampire amoureux, Où es-tu de Marc Lévy, Nicolas Spark à tout jamais, Si c'est un homme de Primo Levi, La voleuse de livres de Marcus Ozak, Sandor Marie Lebrez, Tony McGuire, Ne le dis pas maman, Les enfants de la terre, mes 3 tomes, Balzac et la petite tailleuse chinoise, Maxime Chatham, Le sang des temps, Niveau 26 de Nathan Zucker, Bunker d'Andrea Maria Schenkel, Conan Doyle, La résurrection de Sherlock Holmes, donc c'est plein de petites nouvelles, c'est sympa, et tout mes Lovina, donc un manga complet également, en 14 tomes. C'est pas mal du tout, c'est bien marrant, je vous en parlerai aussi, je vais essayer de vous parler de tous mes mangas complets en fait, ça va être sympa. Donc ici, ça va être... une petite bibliothèque que je partage avec mes colocatrices qui se situe dans l'entrée. C'est pour ça que j'ai dû faire des concessions. Au-dessus, on a New York, New York, ce n'est pas à moi. On a mon livre d'art, Le Cri du Ver de Gérard Thiboulot, Don't Let It Get to You Bench,
Ben. On a The Light in the Labyrinth de Wendy Gidun, Draft d'Ousserve, Amazon in Arabic de CPT Jennings, Creating Hate, How It's Done, How to Destroy It. Je parle très bien anglais, merci. Ici, c'est How to Survive in Hollywood and Keep Your Integrity, 50 plans anti-bestioles, toutes les bêtises sur les bestioles, Voltaire Candide. Donc là, on part sur les classiques, sur les histoires contemporaines, on va dire ça comme ça. Donc on a Francis Ponge, le parti pris des choses, Shakespeare, Roméo et Juliette, le songe d'une nuit d'été, Coluche, elle est courte mais elle est bonne, Mes trois Christian Jacques, Jean Cocteau, la machine infernale, Baudelaire, les fleurs du mal, Frédéric Fangé-Osé, Catherine Pancol, les trois de les yeux jaunes du crocodile, Maupassant, Bellamy, Baudelaire, les fleurs du mal. Oui, il est en double. Mais Elisabeth Gilbert, Mange, prie, aime, Le Japonais tout de suite, Le mariage de Figaro, L'avare, L'école des femmes, Les mille désirs de l'empereur, Le bonheur d'être soi, Comment apprivoiser son crocodile, avec un petit Ultron et un petit Oulala. Voilà, des petits Bouddhas aussi. Ensuite, en dessous, c'est tout ce qui est un peu cycliste. R de Laura Zumier, Sophie Kinsey, la 20th Girl, Samantha Belli, les stagiaires. Envie d'ailleurs, c'est une petite BD très sympa par un collectif. C'est mon frère qui me l'a offert. The Little Old Lady Who Broke All the Rules de Katharina Ingelman Sundbrief, Jenny Colgan Where All the Boys Have Gone, Camelot le livre 1, Philippe Lenada Le Somme au Chauvage, La fille de sa mère de Jennifer Winner, PS I Love You énorme, Cecilia Karen Hein, Sophie Kinsey, les deux autres que j'ai, La Croix du Shopping à Manhattan et Shopaholic Tadenok, Le Vieux Kin, les mets de Jonathan Johnson. Énorme auteur, c'est du gros n'importe quoi ces livres, mais c'est vraiment un truc qui détend. The Extraordinary Journey of the Fakir Who Get Trapped in IKEA Wardrobe Vintage. Voilà, ça c'est du titre. Ensuite, j'ai mon Gilles de Gardien, Soudain tout change. J'ai les deux autres, mais je les ai prêtés, du coup ils ne sont pas là. J'ai les deux Sailor V, donc manga complet, ouais, et 3-4 de Sailor Moon. C'est mon frère qui m'a offert les 4, il m'a offert le 1-2-3-4, mais juste pas de la même série. Sans commentaire. Ensuite, ici, on a tout ce qui est un peu ado, 16 lignes, 18 lunes, l'adaptation de Twilight, comme vous voyez que j'en ai plein, dont en anglais certains, The Warrior Air de Shima, Route Divergente, The Lost World de Conan Doyle, Shatter Me, Terre à ma fille, énorme, je sais même pas si je vous en ai parlé, il est trop bien. Throne of Glass de Sarah Chimas, Cressy Cole, Les Chroniques des Arcanes, La Princesse Vénéneuse, Mortal Instrument, City of Bone, énorme aussi. Et tout là caché, j'ai Tolkien, Contes et légendes inachevées. Ensuite j'ai tout ce qui est vraiment, les deux derniers, c'est tout ce qui est enfant, vu que j'ai un enfant maintenant à la maison. Sans merveilleuses histoires du prince Castor, La Montre Infernale, Les Codes qui n'existaient pas, Le Miroir d'Ambre, La Tour des Anges de Philippe Pullman, là c'est Petit Ours Brun, tous mes, ça c'est des Écoles des Loisirs, L'Arbre Secret, l'ABC des Monstres, La Fabrique des Mensonges, L'Erreur du Père Noël, Hamster n'a pas de voix, Aval Léonard Dichon, La Caverne, Une Vague d'Amour dans un Lac d'Amitié, L'Oiseau de Malheur, Mes deux Percy Jackson, La Révolte des Jeunes, ici il y a un peu des BD, des magazines de cuisine, voilà. Et enfin en dessous j'ai mes Disney, surtout Anastasia, ce n'est pas un Disney, et comme vous voyez j'ai plein de Disney, Pocahontas, Bambi, Le Roi Lion, Cendrillon, Mulan, Romain des Bois, Basile, Hercule, Le Bossu, Olivier, Taram, La Belle au Bois Dormant, et Bing Bong et le Triangle des Bermudes, deux histoires de Mickey. Ensuite, Forêt Vierge aussi, c'est des trucs éducatifs. Angelo du Lac, c'est une BD. Classe de mère, Frère Lapin prend le frais, Le garçon de nulle part, Leonardo les pieds dans l'eau. Non, je l'ai pas en double. Entre deux, ici, Le Royaume de Kansuke, énorme. Six filles à marier, les Harry Potter, oui, j'en ai que 4. Et j'ai 5 Narnia. J'en ai 6, il y en a un qui est couramment dans la chambre de la petite fille en train d'être lu. Donc voilà pour mes bibliothèques, je vais peut-être parler un peu vite. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo, bonne journée.